Oh là, j'ai le seum. C'est ma petite moto d'amour, c'est mon petit bébé. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Vraiment les mecs, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai vraiment besoin de vous. Parce que là, ça dépend que de vous et que de vos talents mécaniques pour trouver ce méga problème. Parce que là, ça va plus du tout. Avant que la vidéo commence, ceux qui veulent m'expliquer si vraiment, vraiment ils savent qu'ils ont trouvé le problème, vous m'ajoutez sur Insta ou sur Snap et vraiment vous m'envoyez ce qu'il faut que je change ou ce qu'il faut que je fasse parce que moi je sais pas et je trouve pas ce problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines parce que, bah en fait, dans ma tête, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, une fois j'ai pris la moto, elle m'a fait ce problème, je l'ai remis dans le garage, je me suis dit vas-y, je vais la ressortir dans 2 semaines. Des fois ça marche, tu vois, et bah ça a pas marché. Donc là, les mecs, j'ai vraiment besoin de la moto parce que, bah, vous le savez, c'est reparti l'école. Et du coup, moi je vais à l'école en moto, tu vois. Comme il fait beau, comme c'est drôle et tout. Mais quand t'as plus de moto et que tu te retrouves sur des routes à 70 pour aller au lycée, comment tu fais, frérot? Logique. C'est la fin pour la derby là, regardez. Je vais vous montrer direct le problème pour ceux qui l'ont pas déjà deviné parce que c'est vachement bizarre. Mais en gros, elle ne prend plus ses tours, enfin elle avance plus. Genre en mode, je vais vous montrer. Je peux faire un départ en première, y'a pas de soucis, ça va fonctionner, regardez. Là, je peux partir en première, voilà. Et à partir de ce moment-là, ça monte plus dans les tours. Là, j'ai passé ma deuxième. Et regardez. J'ai beau mettre poignée dans l'angle, ça fait rien, ça tourne dans le vide. Et regardez. Au-dessus des, allez, je sais pas combien de milliers de tours, bah, y a plus rien et la moto n'avance plus. Regardez. Voilà, donc j'ai beau faire ce que je veux, je peux que avancer entre, je sais pas moi, entre 1000 et 2500 tours, mais au-dessus, je peux plus rien faire. Je vous jure que c'est pas une blague, les mecs, c'est trop bizarre. Donc regardez, là, je vais rétrograder un petit peu, hop. Et normalement, quand je mettais poignée dans l'angle comme ça, bah, je partais direct, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, regardez. À partir de ce moment-là, là, maintenant, ça partira plus, regardez. Elle fait un bruit trop chelou, elle part plus. Donc, je sais pas ce qui se passe. Bon, moi là, je vous ai expliqué le problème dès le début de la vidéo. J'ai pas fait durer 50 ans la vidéo parce que je pense que je vais pas pouvoir rouler comme ça pendant 2 milliards de kilomètres. Mais au moins, vous savez que là, la derby, frérot, y a un réel souci là. Y a plus rien qui va. Y a une belle petite Audi là-bas. Magnifique. Oh là là. C'est pas un S3 ça. Mais du coup, voilà, les mecs, plus de moto, c'est fini. Genre là, je peux plus aller au-dessus de ces tours-là. Genre vraiment, quand je vous dis que c'est méga bizarre, c'est méga bizarre, les mecs. Donc, voilà. Salut les mecs, c'est Léo. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo où on peut pas dépasser les 2500 tours en 50. Donc vraiment là, j'ai besoin de vous, les mecs. Donc là, j'ai vraiment besoin de vous, les mecs. Je sais pas ce que la moto a, mais elle veut plus accélérer. Donc, regardez, là, elle va prendre des tours. Je peux pas partir genre en mode, on dirait qu'à un moment, au lieu de s'accrocher, bah ça patine ou je sais pas ce que ça fait. Ça prend les tours mais la force elle est pas transmise. Donc là il y a un vrai problème. Donc si je veux rouler, je dois rester là avec si peu de tours. Mais j'espère que je suis en train de rien niquer parce qu'en vrai c'est vachement bizarre. Bon, au moins maintenant j'ai une moto qui est bridée, on va dire. Une moto bridée à 45 et elle est bridée dans les tours aussi. Donc en fait, si je veux, je pense que je peux quand même aller jusqu'à 70. Mais je vais être à 70 en 6ème, tu vois ce que je veux dire. Et je pourrais pas prendre les tours. Là, ça sert à rien que j'accélère plus, regardez. J'accélère plus et elle prend dans le vide. Donc voilà, c'est trop bizarre. Donc ceux qui savent, les mecs, faut vraiment me le mettre en commentaire. Faut vraiment m'expliquer parce que là, clairement, j'ai plus de moto. Et là, le lycée y a repris. Donc je me vois mal, mais très très mal aller au lycée. Bridé à 40 km/h. Enfin, même question dans les tours, regardez. J'accélère. Bah avant, ça accélérerait pas comme ça. Avant, quand j'accélérais, bah ça accélérait. Non, par contre, les mecs, là, il y a vraiment... Même quand je rétrograde, ça veut plus trop rétrograder. C'est vachement bizarre. J'espère que c'est pas un problème trop grave. Bon, la moto elle a quand même 14 000 km, tu vois, mais une derby comme ça, bien entretenue comme elle est, elle fait 100 000. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc pour ceux qui savent, là les mecs, j'ai vraiment besoin des conseils parce que bah, y a un problème quoi. Le moteur est pas serré, il tourne mon copain, mais au-dessus d'un certain nombre de tours, ça tourne plus, ça tourne dans le vide. Donc là il y a vraiment un big problème sur la moto. Et ça me pète les couilles parce que du coup, là voilà, si je vais plus vite que ça, ça sert strictement à rien. Vachement bizarre comme problème. J'espère que c'est déjà arrivé à des mecs et que c'est un petit truc, un petit réglage à faire. Parce que là, ça m'embête un petit peu. Je peux même plus rétrograder, je vous jure, je peux plus rétrograder. Oh, c'est trop bizarre. Je peux plus rétrograder. Oh merde.
plus de moto les mecs. Voilà, c'est fini. Donc là, les mecs, vraiment... Voilà, ça sert plus à rien que j'aille plus vite que ça. Là, je vais me faire dépasser, ça va être horrible. Donc voilà. Donc regardez, je vais réexpliquer le problème. Je suis bridé quand je passe là le R. Donc je sais pas, c'est peut-être 2500 tours, peut-être moins. Je sais pas combien ça prend un moteur, mais à autant de tours minute dans le moteur, bah ça transmet plus rien. Regardez, c'est comme si tu t'avais l'embrayage. Comme si t'avais l'embrayage dans la main et tu peux rien faire d'autre. Donc la moto là, frérot, elle est dead. Parce que qu'est-ce que tu veux faire avec une moto comme ça? Ça se trouve là, je suis en train de tout niquer. Mais j'étais bien obligé de la prendre, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc là je retrouve une moto bridée à 45. Donc ouais, je peux peut-être aller taper les 70 comme je l'ai déjà dit, mais ça va être taper les 70 en fond de 6 quoi. Et là, j'ai aucune reprise, j'ai aucune pêche, j'ai aucune patate, vraiment. Là, je pense, quand t'as une moto bridée, c'est comme ça. Même quand t'as une moto bridée, ça marche mieux. Parce que là, pour vous dire, je peux pas aller plus vite. Faut que je passe des vitesses en fait. Faut que je me mette en 6ème et que j'accélère et pas plus de tours minute. Mais je pense que là, dépasser les 45, ça va être compliqué. Hein. J'ai rien changé sur la moto, j'ai pas mis du diesel. Normalement je roule au double. Bah là non. Là ça va pas être trop possible. Du coup on va pas passer par le pont. Parce que vas-y, s'il faut de la puissance moteur, j'en ai plus. Donc mes vitesses, je peux augmenter mes vitesses. Je peux rétrograder. Il y a quelques jours j'avais déjà entendu un bruit bizarre que j'avais signalé, mais ça pouvait pas donner suite, tu vois ce que je veux dire. Donc là c'est une moto, frérot. Ma moto s'est bridée automatiquement, tu vois ce que je veux dire. C'est trop bizarre. Donc je ne peux pas, là voilà, si je prends les tours, c'est comme si tu roulais avec l'embrayage, ça fait rien. J'espère que je vais pouvoir rétrograder quand même, parce que même rétrograder maintenant c'est compliqué. Et je vais vous montrer le départ, hein. C'est horrible. Je sais pas de quoi est dû ce problème, mais c'est un grave problème. Au lieu de passer tes vitesses en haut, bah tu dois les passer tout en bas. Voilà, là je peux pas aller plus vite si je vais, voilà. Si je vais plus vite, elle prend des tours pour rien. Donc voilà. On dirait qu'à un moment, s'il y a plus rien qui s'entraîne, plus rien n'est entraîné à partir de je sais pas combien de tours minutes, et puis voilà, c'est mort. Et en plus, je peux même pas dépasser les 50, hein. J'ai vraiment une moto bridée à 50. Bon, au moins, je suis sûr qu'elle pourra pas trop chauffer, quoi. Est-ce la fin du moteur? C'est pas un moteur serré, si là j'arrive à rouler. Est-ce la fin d'un embrayage, d'une boîte ou je ne sais quoi? Là c'est peut-être plus possible. Où ça se trouve, c'est qu'un petit réglage de merde et ça repartira. Mais regardez, là je suis encore entraîné. Là je suis plus entraîné. Bah de toute façon vous l'entendez, il y a un moment ça part dans les tours. Voilà, big problème for the derby going to déchetterie, frérot. Non par contre là les mecs, je vais pas pouvoir repartir, va falloir me laisser passer là. Sa mère. Mais c'est quoi cette moto? J'ai peut-être plus d'embrayage, hein. C'est sympa, hein, on se fait une petite balade tranquillou à pas plus de 40 km/h, Vmax, ah ça tue, hein. Ça tue, ça blesse, ça fait. Ah c'est la merde. Oh, c'est la merde. Putain, ça se trouve c'est qu'un problème de merde. Et on va me laisser dans les commentaires un petit message et ça sera bon, ça sera ça. Ou soit c'est un truc à changer, ou ça se trouve c'est une moto à changer, c'est un moteur à changer. Voilà, bizarre. Je vais mettre une petite story sur Insta. Oh là j'ai le seum. C'est ma petite moto d'amour, c'est mon petit bébé. Putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quand même louche, hein, comme problème. Frérot, tu peux rouler, mais si tu dépasses un certain nombre de tours, t'es bridé et elle fonctionne plus. Jamais vu ça de ta vie, carrément. Putain. Pas mécanicien. Mais il y a même des fois des problèmes que tu peux régler facilement. Tu vois, un problème d'allumage, un problème d'arrivée d'essence. Mais là, frérot, c'est quoi ce problème encore? Qu'est-ce qui m'arrive? Là, j'ai qu'un putain de problème pour la rentrée, donc ça va plus du tout. Donc bref, ceux qui trouvent la solution, n'hésitez pas à me la faire savoir. Faire des vidéos, parce que c'est quand même cool de faire des vidéos. Je te jure, c'est la police à distance, ils ont bridé mon CDI à distance. Tout mon électronique. Ouais frérot, c'est pas possible. Je vous jure, je suis devenu un scooter là. Je peux pas aller plus vite qu'un scooter, là-bas c'est mon collègue. Ça va être mon collègue pour les baraudes. Voilà, je peux pas monter plus. Plus de moto les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette chaîne YouTube. Bon bah je vais racheter un vélo et on ira faire du vélo, c'est beaucoup plus écologique. Hein. Ah franchement c'est cool les sorties à 44 km/h vitesse max. Non mais là c'est pas possible mon frère. Heureusement qu'il y a une descente, on pourra prendre une Vmax plus importante. Oh attention, on va te faire un pic de vitesse, 51 km/h, Mama mon copain, la Vmax. Non mais c'est quoi encore ce problème, eh? J'espère qu'il y en a qui connaissent la solution, parce que je peux pas rester avec une moto qui va à maximum 50 km/h. Et que encore, pour aller aux 50 km/h, il te faut une demi-heure. Je crois que c'est pire qu'un d'origine là. Vraiment c'est pire qu'un d'origine. Aïe 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 aïe, en plus il y a des trous.
Non mais laissez tomber les mecs, j'ai pas de chance là, je suis maudit. Non mais là on va se faire chier si je dois faire des vidéos comme ça. On va vraiment se faire chier hein. La derby qui marchait le mieux d'internet en origine, elle n'existe plus. Maintenant c'est la derby qui marche le moins bien en origine. Bon ça roule hein, tu vas me dire hein, mais ça dépanne hein. Mais je vais pas aller te faire 50 bornes comme ça, tu vois ce que je veux dire. Logique. Non mais là pour faire la montée, on voit rien. Non mais là la montée c'est mort pour moi là. Bah ouais frère, à peine il y a une montée, c'est fini. Et les gens, me dites pas que c'est moi qui a pas envie de prendre les tours hein. Parce que moi je veux les prendre les tours hein, je mets poignée dans l'angle hein. Mais ça fait rien. Voilà, voilà le gros problème. À partir de ce moment, c'est fini. Il y a un gros problème. Ah ouais, lui, il s'est vraiment arrêté pile devant, quoi. Non, mais en Clio, elle va me fumer, frérot. Non, mais c'est quoi ce Beans? Bon, bah, les mecs, en espérant que certains d'entre vous trouveront d'où vient ce problème et pourront m'aider à le régler parce que ça va être assez relou, quoi. Voilà la VMAX. Grosse VMAX en vue, là. Mouah. VMAX, 50 km/h. Fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man.